car j'apprends à l'instant que nous allons pouvoir entrer en contact avec nos envoyés spéciaux sur le rallye qui sont cette fois à Niamey. Jean-Louis Calmejane et Patrick Chen, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Très bien. Jean-Louis? Oui, je vous entends, Patrick. Patrick, Hervé, excusez-moi. Hervé, oui, une mise au point tout de suite. Je ne sais pas où en sont vos informations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Gourmar House, l'endroit où a eu lieu le drame, quelques kilomètres en tout cas, est totalement isolé pour les médias en tout cas. Car Gourmar House, on ne s'y pose pas en avion. Il y avait seulement l'hélicoptère de Thierry Sabine là-bas. Et l'on a dû attendre les informations à Gao, des informations qui arrivaient au compte-gouttes, qui se contredisaient comme souvent en pareil cas. Et c'est de Gao que nous avons appris le drame. Et c'est de l'aéroport que tout le monde a attendu avec des informations tragiques, puis d'autres un peu apaisantes tout à coup. Et enfin, l'annonce du drame, et c'est ce que nous avons proposé de vous montrer maintenant en image, et j'espère que la liaison maintenant est établie, afin que vous puissiez suivre le résumé un peu de cette matinée tragique, puisque si l'accident a eu lieu hier soir, il n'a été rendu public, il n'a été connu en tout cas par toute la presse, que dans la matinée, il y a quelques heures. Oui. Nous vous écoutons, car la liaison est très bonne maintenant. Bon, alors un descriptif ce matin à 8h sur l'aéroport de Gao. Nous sommes une poignée de journalistes et accompagnateurs, et les bruits les plus fous circulent. 9h, en vol de deux hélicoptères pour Gourmar House, départ de l'étape du jour, situé à 200 km de Gao. À l'intérieur de l'avion de liaison, les informations parviennent au compte-gouttes, mais on se doute rapidement de la gravité de la situation. Se débrouille par tous les moyens que tu veux, tu trouves le numéro de l'ambassade de France au Mali. 10h, Patrick Verdois, directeur de la course, annonce la nouvelle. J'ai eu un accident. Son hélico à Gourmar House. Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnou, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du journal du dimanche. Et tous les cinq sont morts. Le terrain était très plat, il y a une très mauvaise visibilité et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois. Et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, bon, ben, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km. Et l'hélicoptère, moi, s'est crashé. Comme vous le savez, il y avait un fort vent de sable hier soir. Et bon, ils sont morts sur le coup. Hein, l'hélicoptère n'a pas brûlé, c'est complètement disloqué. Quelles sont les décisions que tu risques de prendre dans les moments qui viennent, enfin, on a fait partie. Tous les concurrents de Gourmar House en liaison vers Bamako pour rapatrier tout le monde à Bamako, une liaison avec un temps imparti large et le départ reprendra demain. Le départ de la course? Oui. C'est de toute façon, on avait déjà évoqué le sujet avec Thierry auparavant et je sais que c'est ce qu'il voulait. Continuer, c'est la vie aussi de Nicole Basso, éliminée l'avant-veille, seule concurrente présente à Gao. Il n'y a rien à dire, je crois. Il n'y aura plus de Paris-Dakar. Et le fait que le rallye continue, d'après ce qu'on nous annonce, ça vous semble normal? Oui, il faut, oui, je crois. Je crois qu'il faut, je crois qu'il aurait voulu. Il a jamais arrêté une course. Ouais. Il faut que ça aille jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un gagnant du Paris-Dakar. Le problème, c'est que ceux qui vont continuer vont avoir du mal, je pense. Moi, je dois dire que autant hier j'étais déçue d'avoir été. D'être hors course, autant maintenant je ne me sentirais plus le courage de continuer. Mais quelle signification d'annoncer demain soir des classements, de dire qu'un tel a perdu tant de minutes sur un tel après ce qui s'est passé? C'est une course qui a du panache, c'est une course prestigieuse, il faut qu'elle se termine. En plus, c'est la dernière, je pense. Donc, il faut qu'elle se termine. Le rallye continuera donc, Sabine l'avait voulu ainsi. Sabine, ici aux commandes de son hélicoptère, aux côtés du pilote François-Xavier Bagnou. Sabine, 4 heures avant l'accident. C'est un Dakar qui grandit vers l'exceptionnel. Le drame, lui, n'étant malheureusement pas exceptionnel, et il faut s'essayer de se passer du drame. Surtout qu'en plus de ça, le rallye deux fois, une première fois à cause d'un alcoolique. Il faut quand même le souligner et ne pas l'oublier, il ne faut quand même pas oublier de le dire. Ce n'est pas le Dakar qui a frappé, mais plutôt la fatalité au travers d'un alcoolique. Je crois que c'est un mal de chez nous, ça. En tout cas, ici, on n'a pas de risque de ce côté-là. Et le deuxième drame, malheureusement, il s'est déroulé sur une étape de liaison, sur du goudron, et pour des raisons inconnues.
Le troisième drame, c'est celui d'hier soir. Autre victime, Daniel Balavoine. Il y a quelques jours, il nous avait tenu un de ses discours toujours simple. Nous prions de ne pas mettre trop en avant l'action qu'il avait entreprise pour la mise en place des pompes à eau de l'opération Paris du Cœur. Si tu insistes sur ma présence, on va dire que je me fais de la pub. Si tu ne dis rien, ma présence ne servira à rien. Alors tentons de trouver le bon ton. Autre victime, Nathalie Audan, ici à droite sur l'écran, notre consoeur du journal du dimanche, ancienne élève de Sabine à l'école française des attachés de presse. Elle découvrait son premier Dakar avec passion. Elle avait été nommée en 84 pour le prix du meilleur article de sport. Elle était notre amie. Elle avait 25 ans. Inutile de vous dire que ici c'est la consternation. De là à savoir si la course va continuer, ce que l'on sait, c'est que Cyril Neveu, par exemple, a dit qu'il ne voulait pas continuer. Ce que l'on sait aussi, c'est que des gens comme Brasseur X, tout ça, on le saura ce soir à Bamako. Bamako, où les coureurs vont se réunir et puis savoir s'ils vont vraiment continuer. Mais c'est la question que Patrick Chen et moi, nous nous posions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on doit suivre cette course? Est-ce que l'on doit continuer à suivre cette course? Je ne sais pas que répondre. Merci Jean-Louis, merci Patrick, de votre reportage, de votre témoignage. Merci beaucoup. Alors voilà ce qu'on pouvait dire donc à 13 heures passées sur l'accident lui-même, sur les circonstances de l'accident, sur ce qui s'est passé, sur les victimes. Et je voudrais revenir un instant sur Daniel Balavoine, le chanteur, nous en parlions tout à l'heure, avec d'abord une